Donc c'est la question qui nous permet de prolonger ce travail qui a déjà été entamé depuis deux conseils communautaires sur la révision de nos statuts communautaires et notamment la définition de l'intérêt communautaire de certains aspects que nous avons déjà abordés. Alors, faire venir sur le contexte global de la délibération. Je mets une note dans le bon ordre. Donc, ce soir, nous allons voir la définition de l'intérêt communautaire de trois domaines, à la fois la voirie, puisque nous avions commencé en parler la fois dernière, les équipements culturels et sportifs, et enfin, le domaine de l'action sociale. Concernant la voirie, on a eu l'occasion d'en parler la fois dernière. La communauté d'agglomération est compétente, à titre optionnel, en matière de création, d'aménagement et d'entretien de voiries d'intérêt communautaire. Et devait, donc dans un délai de 2 ans après sa création, définir cet intérêt communautaire. Et à défaut de délibération dans ce délai, donc la communauté exerce cette compétence en son intégralité. Or, vous vous en souvenez, lors de la séance du 8 novembre dernier, notre conseil a souhaité reporter cette question, parce qu'il y avait des choses à clarifier, notamment concernant voirie en particulier, et puis sans doute d'autres qu'il faudra que nous regardions dans le détail. Une voirie, je vous rappelle, conduisait à une carrière. Or, nous avons prévu une visite sur le terrain en janvier pour vérifier la recevabilité de la proposition. Donc, aussi, il a été nécessaire pour ne pas avoir à exercer cette compétence dans son intégralité à compter du 1er janvier 2019, d'acter par délibération, donc c'est ce que nous allons faire ce soir, donc c'est la proposition, le statu quo, qui consiste en la reprise des voiries qui étaient déjà communautaires précédemment. Ainsi, pour les autres voiries, notamment celles qui mènent aux carrières ou aux déchetteries, pour lesquelles il y a encore un temps d'examen nécessaire, la réflexion va devoir se poursuivre et ainsi l'intérêt communautaire sera défini ultérieurement. Donc il est proposé ce soir, pour faire simple concernant ce point voirie, de remplacer les listes constituant l'intérêt communautaire par le critère zone d'activité communautaire, je ne sais pas si vous me suivez, et de maintenir la rédaction pour les voiries communautaires de l'ancienne communauté de communes du Val-de-Sée. Cette rédaction n'entraîne aucune modification au regard de la voirie actuellement communautaire. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je vais vous demander ce soir, c'est de délibérer sur le statu quo, de façon à ce que la prise de compétence se fasse, car puisse se poursuivre, de manière à ne pas entraver le fonctionnement qui avait eu jusqu'alors, et ainsi de permettre dès l'année prochaine, en examinant au cas par cas les voiries qui posent des questions, de les intégrer ou non dans le giron communautaire. Voilà la proposition qui est faite. De manière à ce qu'on puisse travailler sereinement à partir de l'année prochaine, notamment sur ces voies qui conduisent vers les carrières. Alors, les carrières, sachant qu'a priori, il n'y en a qu'une, et les déchetteries, sachant que encore la plupart des voies qui mènent vers les déchetteries sont d'ores et déjà communautaires, sauf une ou deux de mémoire, il y a celle de Saint-Aubin, je crois, et puis peut-être une autre. Voilà. Oui, et Saint-Jean-de-la-Haye, alors... On avait parlé seulement de la voie dernière, parce que la voie doit être départementale. Mais non, mais je ne vais pas parler de celle-là, mais la voie d'accès à la déchetterie, elle est même pas communautaire, elle est privée. Entretenue par la communauté, c'est une voie privée. Par contre, effectivement, je leur poserai la question d'une participation à l'entretien de la départementale. Ça fera l'année prochaine. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que pour la déchetterie de Saint-Jean, c'est une situation un peu particulière. C'est complexe. C'est pas seulement le dialogue entre communes et communauté de communes, mais c'est d'autres interlocuteurs. Oui, Serge. Oui, donc moi je vais réitérer ma question, c'est-à-dire à savoir donc cette délibération, qu'elle ne soit pas définitive, non. Qu'on puisse réellement revoir le problème justement. Parce qu'on a rendez-vous à la date décalée. Oui, tout à fait. Voilà. On parlait de la carrière qui est chez toi. Voilà. L'idée c'est ça, c'est plutôt que de délibérer un peu à l'emporte-pièce sur des thématiques, en tout cas des types de voies qui nécessitent un examen, c'est d'aller voir sur place, de rencontrer les bénéficiaires, en l'occurrence l'entreprise qui exploite la carrière, pour vérifier l'intérêt communautaire. Bon, on sait qu'a priori, sur cette question-là, il n'y a pas trop de difficultés. Ça permettra aussi un passage en commission.
pour ça me paraît aussi important que les commissions travaillent sur ce genre de questions. Et comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté au moment du vote pour l'intégration définitive, rien n'est jamais définitif, dans le giron communautaire. Donc voilà, ce que je vous propose ce soir, c'est, on va délibérer point par point sur la voirie, sur les équipements culturels et sportifs, puis ensuite sur le volet action sociale, c'est de finalement de voter pour un statu quo qui permettra ensuite de travailler au cas par cas sur les voiries, les déchetteries et les carrières dès l'année prochaine. Oui, Marie-Hélène. Oui, les carrières, il y en a plusieurs. Oui, mais la plupart, ce qu'on a commencé à regarder, sont desservies par des départementales. Alors celle de la Bazoche, je ne sais pas, mais on a beaucoup de... On attend la date de rendez-vous pour la Bazoche aussi. Pas de problème, merci. C'est prévu. Parce que là, la voirie communale sur la Bazoche. Donc ce sera... Elle était communautaire. Bon, on ne va pas faire le repas examiner tous les cas ce soir, mais on est bien d'accord qu'il va falloir que vous fassiez remonter toutes les situations qui devront être examinées en commission. Je m'interroge sur le fait de remplacer la liste par l'expression zone d'activité communautaire. C'est plus simple, c'est sûr. Après, est-ce que ça ne va pas aller impacter certaines petites zones d'activité ou pas qualifiées comme telles et qui sont peut-être encore dans le giron communal et qui deviendraient communautaires ? Non, puisqu'on est sur du statu quo, donc il n'y a pas de changement. A priori non, puisque la liste qui est fournie là, c'est la liste déjà établie qui fait l'état d'une réalité qui a déjà été vérifiée à plusieurs reprises. Il y avait une seule ambiguïté, encore une fois, sur les voies qui conduisent aux déchetteries, aux carrières. Là, dès lors qu'elles sont... Si vous êtes sûr de ça, moi je viens, mais je m'interroge quand même. Le débat se fait à ma base. Je parle de la qualification de zone d'activité communautaire. Je ne parle pas du tout des accès, moi. Je suis sur le premier point. Et je pense en l'occurrence à la tienne. Elle est communautaire ? Ah, d'accord, ok. Je pensais qu'elle était communale. Logiquement, les accès aux zones d'intérêt communautaire, enfin aux zones d'activité communautaire. Là, on parle des voiries. Les voiries, des zones d'activité communautaire. Comme petit complément, parce qu'on avait travaillé dans le cadre du comité de pilotage économie déjà avant la fusion, et effectivement il y a encore des zones d'activité aujourd'hui qui sont dites encore communales ou encore privées, où il faut encore définir l'intérêt communautaire. Ce travail-là n'a pas été fait encore. Là on reste sur le statu quo de l'existant, donc pas de modification, mais ceci étant, il est vrai qu'aujourd'hui on a des voies communales où l'intérêt communautaire n'a pas été notifié, on sait très bien qu'elles sont dans les zones d'activité. Donc il y a une obligation de passer ces zones d'activité dites communales en zone communautaire pour pouvoir rétrocéder ensuite les voiries. Et ce travail n'a pas été fait. Donc c'est pour ça que là ce soir on parle bien d'un statu quo concernant les voiries. Donc on ne remet pas en cause le statut des zones, mais bien on valide les voies qui mènent vers des zones qui sont déjà définies comme communautaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point voirie, de façon à ce qu'on puisse avancer ? A priori, non. Bien, je vous propose de délibérer, de voter plus exactement, sur la base de ce statu quo concernant les voiries, avec un examen qui se fera au cas par cas, ou par thématique, dès le début de l'année prochaine. Donc 132 votes reçus, nous avons 120 votes favorables, 5 votes défavorables et 7 abstentions. Voilà, je vous remercie. Donc ce point voirie est validé. On va passer